vini fait grand fête pour grand maître là, parce que grand maître là fait merveille. Vini fait grand fête pour grand maître là, parce que grand maître là fait merveille. Vini on a fêté grand maître là. On a ben bravo pour force pour être comme sauver nous. Parce que l'imé des chefs a commandé peuple à. C'est un beau chef saillot. L'imé des paroles. Vini faire grand fête pour grand maître. Parce que grand maître là fait merveille. Vini fait grand fête pour grand maître là. Parce que grand maître là fait merveille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en ce 14 septembre où l'Église universelle célèbre la fête de la croix glorieuse en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour tout le monde sous terre.
Jésus-Christ, remets ton pitié, ton vinouette dans ma pêche, pour pas nous la vie. Vive mon Dieu, non, financier, ni baille que mon zèle pour tout le monde sous terre. Seule famille, ensemble à toute frayeur. Vive mon Dieu, non, qui dans le ciel, ni belle que vos ailes pour tout le monde sous terre. Vive mon Dieu, non, qui dans le ciel, ni belle que vos ailes pour tout le monde sous terre. Ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique en sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre des Nombres, au 21e chapitre, les versets 4 et suivants. Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d'Israël, à bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et lui dit, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un poteau. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Et ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un poteau. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Parole du Seigneur. Nous allons ensemble méditer le psaume 77. Et après chaque strophe, nous répéterons. N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur.
N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur. Écoute mon enseignement, ô mon peuple. Sois attentif aux mots que je prononce. Je commence une parabole pour dégager les leçons du passé. N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur. Quand Dieu frappait nos pères, eux le cherchaient. Ils se reprenaient, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher, que le Dieu très haut est leur défenseur. N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur. Mais s'ils priaient, c'était pour le séduire. Avec leurs mots, ils le trompaient. Avec lui, il avait le cœur changeant. Il ne croyait pas vraiment à son alliance. N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur. Et lui, le miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Même fois, il retint sa colère, au lieu de réveiller sa violence. N'oubliez jamais les merveilles du Seigneur. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour accueillir et acclamer l'Évangile. Chantez Alléluia, pour parole bon Dieu, chantez Alléluia, bravo pour parole là. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons, par ta croix tu as racheté le monde. Chantez Alléluia, pour parole bon Dieu, chantez Alléluia, bravo pour parole là. Chantez Alléluia, pour parole bon Dieu là. Chantez Alléluia, bravo pour parole là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 3, verset 13 au verset 16. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Révérende sœur, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Comment nous y est? Avec Jésus, nous avons kembe. Avec Jésus, nous bien. Malgré mauvaise situation. Aujourd'hui, 14 septembre, l'Église universelle célèbre la fête de la croix glorieuse. La croix, l'instrument du salut. Même Jean, serpent bronze lent et élevé
dans le désert. C'est comme ça. Petit monde, non. Élevé tout. Frère mieux, ce mieux. Quoi, avant Jésus, il était gagné une signification. Il était gagné un sens. Mais Jésus vini, il changeait sens. Quoi? Avant Jésus, la croix était instrument d'humiliation. Là où tu as besoin d'humilier le monde, il y a bal la mort qui est humiliant la mort sous la croix. C'est ça mon yo qui fait pour Jésus pour être capable d'humilier le. Parce que yo dit Jésus t'a blasphémé. Yo dit Jésus t'a fait tête li passer pour sale payer pour yo humilier lui. Yo bali la mort sous la croix. Avant Jésus, c'était malfaiteur, il était cloué sous croix. C'était voleur, c'était blasphémateur. C'est ça que fait, il a cloué Jésus sous croix pour humilier. Jésus changer sans quoi. Quoi qui était instrument d'humiliation, qui était instrument de déception, quoi il vient tourner instrument de salut. Quoi il vient tourner instrument salvifique. Frère mio, sœur mio. Dans l'évangile du jour, il est question de la vie éternelle. Ça moi-même m'a cherché. Ça moi-même m'a goûté pour l'IA. Ça nous toutes et nous chaque, nous devons goûté pour l'IA. La vie éternelle. Mais, il y a la vie éternelle que nous pas joindre sans difficulté. Dans la vie éternelle, nous pas joindre sans la croix. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la gloire. Si vous voulez rentrer dans la gloire, bon Dieu, papa, tant que Jésus-Christ, faut qu'on passe par la croix. C'est un passage obligé ou pas qu'à à passer par là. Dans difficulté non yo, dans tête chargée non yo, nous avons un seul bagage pour nous faire. Lever les yeux non, garder la croix. C'est vrai que je dis ya, n'a souffri dans le pays d'Haïti. Quoi yo, yo en pile, mais nous devons souffrir avec espoir. Pas quitter aucun monde voler espérance. Nous pas doué désespérer. N'a pas souffri, c'est vrai, mais qu'on a, bon Dieu n'a pas servi à les vivants. Bon Dieu n'a pas servi à la délivrer, non. Seulement, faire confiance. Seulement, abandonner, non, dans pied-li. Faire confiance. Lever les yeux, non. Garder la croix. Parce que Jésus, qui c'est petit bon Dieu, seul grain petit bon Dieu, Jean l'évangile là dit non, il n'est pas exempt de la croix, il n'est pas exempt de souffrance. Souffrance fait partie inhérente de la personne humaine. L'homme est fait pour souffrir. Il faut que nous souffrions pour nous capables de rentrer dans la gloire de bon Dieu. Parce que pas de dimanche Pâques sans vendredi. La célébration, la messe, aujourd'hui, n'a pas demandé, bon Dieu, grand maître, pour lui mettre force li dans la faiblesse. Non. Parce que la situation à vivre dans le pays d'Haïti, si nous pas gagné force, bon Dieu, qui agit dans nous, nous ne pouvons pas résister. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout. On demande, bon Dieu, grand maître, aidez-nous, fortifiez-nous pour nous capables de résister. Résister contre difficulté, résister contre péché dans la vie, non. Résister contre toute qualité quoi dans le pote, dans le pays. Non. Nous connaissons déjà, nous n'avons pas besoin de citer. Si vous bon Dieu grand maître là, faites-nous grâce, dans fait quoi glorieuse là, pour lui aider. Non. Pas pour lui éliminer quoi pour nous, parce que pas gagner la vie,
sans quoi? Pas gagner la vie chrétienne sans quoi? C'est ça Jésus dit. Là, il dit, monde qui voulait suivre moi, c'est pour lui prendre quoi lui? Pour lui marcher derrière moi. C'est pas demander bon Dieu pour lui éliminer quoi pour nous, mais c'est demander bon Dieu ben nos forces pour nous capables supporter quoi yo. Ben nos forces pour nous capables aller jusqu'au bout. Même si nous t'a tombé en bas quoi nous yo pour nous parer ta terre pour nous lever, même gens avec Jésus-Christ pour nous capables gagner la victoire. La victoire sur ça qui mal. La victoire sur toute force fait noir. Parce que, je vous dis, nous, c'est fait noir qui voulait barrer lumière. C'est ténèbres qui voulait barrer lumière. C'est la mort qui voulait barrer la vie. Alors que Jésus-Christ est venu, il est mort sous la croix pour être capable de faire nous gagner la victoire sur toute force fait noir qui empêchait. C'est pour mon Dieu qu'on mette là. Fais-nous grâce. C'est pour maman, non, Marie, Notre-Dame des douleurs. Yodia, nous prenons la prière avec septième douleur. C'est pour maman, Marie, Notre-Dame des douleurs. Aidez-nous. Les mêmes qui te connaissent, douleur, croix, là, ils te remettent les petites lits qui te transpercé sous la croix. C'est pour aider-nous pour nous capables de souffrir avec courage parce que nous sommes sûrs et nous sommes certains. Je vous délivre en ce moment. Il va loin. Amen. Ma vie, ma vie, ma vie.
Elle ressemble à la vie de ton fils Jésus-Christ. Oh, elle ressemble à la vie. Qu'elle ressemble à la vie de ton fils Jésus-Christ. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice en nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Pour le Christ, notre Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance. Et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Pour lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Pour lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Tu es vraiment saint, tu es vraiment saint. De la terre, où le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, entourant l'univers. On chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers, au sein de la terre. Et sois celui qui vient au nom du Seigneur, pour toi qui es saint. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers, au sein de la terre. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Souviens-toi des défunts de nos familles. Souviens-toi des défunts de cette communauté paroissiale et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent aujourd'hui un événement heureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté sur Eddie Simon et Alice May Simon, qui célèbrent aujourd'hui leur 50e anniversaire de mariage. Nous implorons ta bonté sur Claudine Mentor, Laurie Cola, Marie-Lucie Augustin, Rose Claude, Lenora Dea Lindor, Morancy Sabrina, Paul Raymond Pérodin, Rafta Joseph et Cara Saint-Fort. Nous implorons ta bonté sur Richie, Jean-Pierre, Sonia Narcisse, Leslie Larieux. Nous implorons ta bonté sur Betty Compère, sur Howard Charles, sur Joubert Junior Blaise, qui célèbre aujourd'hui leur anniversaire de naissance.
Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio télé Alta Grâce qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux. Nous implorons ta bonté sur les bienfaiteurs et les bienfaitrices de cette paroisse vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé, sur Mélina, merci et famille, sur Josette Delcy François et famille, sur Josette Pierre et famille. Nous implorons ta bonté sur Marie-Thérèse Pierre. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti bouleversé. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde.
Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Siècle
Fortifié par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Marie, mère de douleur, par cette extrême douleur que tu as souffert en voyant le corps de ton divin fils Jésus détaché de la croix, reposé dans le tombeau où tu avais aussi renfermé ton cœur si aimant, je te prie de m'obtenir que j'en servisse dans le tombeau de Jésus, le vieil homme, avec toutes ses passions, et que je me revêtre de l'homme nouveau, formé à l'image de Jésus lui-même, afin que je puisse mériter ta protection durant ma vie, ton assistance à la mort, et que je participe à la gloire dans le ciel. Amen. Prions. Mon Seigneur Jésus-Christ crucifié, ne permettez pas qu'aucune âme se perde, puisque vous nous placez sous les ailes de la protection de votre très aimante mère comme enfant de ses douleurs, né au sein de ses larmes. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de votre Sainte Mère, accorde-nous les grâces que nous sollicitons en cette septaine. Nous vous le demandons, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous, consolez-nous, délivrez-nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous, consolez-nous, délivrez-nous. Notre-Dame des douleurs, consolez-nous, délivrez-nous. Priez pour nous, Vierge Sainte affligée, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint-Michel, défends-nous nos combats. Saint-Michel, défends-nous, s'il te plaît. Saint-Michel, défends-nous. Saint-Michel, défends-nous, s'il te plaît. Prière
aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Au grand Saint-Michel archange, au même qui remplit avec sagesse bon Dieu, qui fort dans tout combat, venez porter nos secours, soutenez-nous dans difficulté et dans épreuve non yo, consolez-nous les nappes souffrées, tant que les nappes criées, bannons force et courage pour en rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie non. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre toute force mal. Saint Michel archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous yo nan main. Saint Gabriel archange, ou même qui se force à messager bon Dieu, portez-nous secours, campez avec nous, pour nous capables fort avec force bon Dieu. Campez avec nous, pour toute vieille force rester loin nous. Fais-nous remplir avec force bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Campez avec nous, pour nous toujours dire bon Dieu oui, même Jean la Vierge Marie te dit bon Dieu oui, l'air te annoncé la naissance sauveur non Jésus-Christ. À travers ou même, nous voulons confier bon Dieu toute la vie non. Saint Raphaël archange, ou même qui compte faire guérison, n'a supplié ou guéri nous ensemble avec tout le monde qui est malade dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. N'a présenté tout le monde qui est malade dans la famille et tout l'autre malade qui compte sur la prière non et secours. Conduis-nous en bas zèle pour aucune maladie pas fait nos peurs, mais pour nous toujours faire bon Dieu confiance, les mêmes qui ont pouvoir guérir toute maladie et toute infirmité. Vive papa avec petite là avec l'Esprit Saint. Depuis le commencement, ni aujourd'hui, ni tous les jours, et pour tout un temps. Amen. Saint Michel, défends-nous. Défends-nous dans le combat. Saint Michel, les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, nos saints anges gardiens, nos saints anges gardiens, nos saints anges gardiens. C'est la rubrique des anniversaires. Nous disons joyeux anniversaire de mariage à nos frères et sœurs Eddie Simon et Alice May Simon, qui célèbrent aujourd'hui leur 50e anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire de naissance à Claudine Mentor, Laurie Cola, qui est membre du groupe Les Bien-aimés de Marie. Joyeux anniversaire de naissance à Marie-Lucie Augustin, Rose Claude, Lenora Dea Lindor, Morancy Sabrina, Paul Raymond Perraudin, Rafta Joseph et Cara Saint-Fort. Joyeux anniversaire de naissance à Richie Jean-Pierre, Sonia Narcisse, Leslie Larieux, Betty Compère, Harold Charles, Joubert Junior Blaise.
Joyeux anniversaire à tout l'autre monde qui a célébré un événement heureux dans la vie et que non yo pas dans l'espanoua. C'est au bon Dieu grand maître là inondé yo tout de joie et de bénédiction. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et à nous chaque pour participation nous la célébration la messe là souhaitez nous passer une bonne journée courage merci bon Dieu grand maître là avec nous tout et avec nous même tout c'est vous bon Dieu qui gagne tout pouvoir Papa, ak petit la, ak l'Esprit Saint, béni non bien béni. Amen. Allez, à cœur content. Merci, bon Dieu, merci. Sur le monde, au coin de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie sera bonne, au coin de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie.